Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler de Rally Master Race of Champions sur PlayStation. Donc, un jeu sorti en 2000 et édité par les fameux d'Infogrames. Alors, on pourrait croire que c'est un jeu qui ressemblerait à V-Rally 1, V-Rally 2, mais c'est pas le cas. C'est vraiment bien différent. Et ça parle de la course des champions. Alors, pour situer le contexte, la course des champions, ça a commencé en 88-89, il me semble. Et c'est déroulé à l'époque du jeu aux Canaries. Ensuite ça s'est déporté à Saint-Denis, et puis dans d'autres pays, ça change quasiment tous les ans. Et donc on va tester ce jeu. On va d'abord voir le menu avec les options. Donc on peut changer le son, ça c'est classique. On va laisser comme ça, je pense que ça va pas mal. Après on va changer les graphiques, on peut changer la position de l'écran, rien de nouveau. Alors les paramètres, on a gardé la difficulté moyenne, vous allez voir que c'est pas très évident. On peut mettre des codes pour débloquer le jeu. On a un classement. On peut voir que j'ai fait un petit tour par exemple aux USA avant. Et je crois que c'est tout d'ailleurs. C'est l'Indonésie aussi. Allez, c'est parti. Je vous propose de faire une petite course en solo pour le moment pour voir un peu comment ça se passe. On va faire un petit contrôle à montre. On a donc l'Angleterre, l'Indonésie, l'Italie, les USA, la Suède, les Canaries. Évidemment le cœur, le circuit utilisé à cette époque. Donc c'est des super spéciales, c'est là qu'on va jouer contre une seule voiture et on va devoir finir devant, sachant qu'on va au début commencer sur la partie extérieure ou intérieure et à la fin on va se retrouver de l'autre côté. Allez, on va commencer par pourquoi pas les Canaries, hein. Je me souviens avoir vu cette course des Canaries, je crois que c'est en 99 ou en 2000, ça passait je crois sur Motors TV. Et vous allez voir, on a du beau monde en choix de licence. On va commencer par la première. Donc par exemple, on a une Toyota Corolla WRC. Tout sous les montrer, parce que vous allez voir quand même que le jeu est pas mal de licences. La Ford Escort WRC en mode évidemment Canary. C'est-à-dire que c'est pas forcément les livrées que vous avez en championnat du monde. La Peugeot 206 WRC. On a droit à l'Audi S1, ça c'est assez classe aussi, puisqu'il faut savoir que ces voitures ont participé au Race of Champions dans les premières années. D'ailleurs, chose que je ne savais pas, Fernando Alonso a aussi participé à la course des champions, mais c'était en 2001 ou 2002, il me semble. On a la 205 T16, on a la seule Toyota Celica GT4. On a la Lancia Delta Integral Evo 6. Je sais pas combien il y a d'Evo d'ailleurs dans cette version. Toyota RAV4, alors ça c'est plus étonnant déjà, mais bon, on a aussi. On a un buggy. Ce qui se faisait souvent à l'époque et ce qui est toujours le cas d'ailleurs, il me semble. La Renault et Mégane de Formule 2, enfin de F2. On a la Peugeot 306 F2, enfin en gros kit car. Hein. C'est ce que vous avez sur la jaquette normalement, puisque elle est sponsorisée par Michelin. On a la Ford Escort Cosworth. Il y a quand même pas mal de choix, on a plusieurs catégories. On a la Skoda Octavia F2, la Skoda Octavia WRC. Ah, c'est marrant parce que du coup ça ressemble beaucoup, mais bon, une qui est plus puissante que l'autre, hein, 270 chevaux, 300 chevaux. On a la Toyota Corolla WRC. Et vous remarquez qu'on n'a pas de Subaru et de Mitsubishi. C'est un petit peu étonnant parce qu'il me semble que vous avez roulé en Race of Champions, il me semble. Enfin, j'ai pas trop souvenir, je vous avoue. Bon, écoute, on va commencer à prendre une voiture au hasard. On va prendre par exemple une. Ah, je vous propose de commencer directement par une groupe. Une un petit peu différente. Et par exemple, on va prendre le DS1. On peut choisir la vitesse automatique, le rapport de boîte, on va être normal, pneu gravier, on va regarder ça comme ça. On va faire continuer. On peut rentrer notre nom, et c'est parti. Alors les loadings sont plutôt sympas, je trouve, même si évidemment ça a été fait... Ça ne rend pas les graphismes de PlayStation 1, hein, c'est toujours des rendus. Changements qui sont un petit peu longs malheureusement, mais bon, on va dire que ça va. Et donc c'est parti, alors comme vous pouvez le voir, donc c'est la course des Canaries. Les graphismes sont plutôt énormes, on est en 2000, bon c'est la fin de carrière de la PlayStation 1, mais franchement le jeu est propre, plutôt joli. Alors quelques effets de... quelques petits légers bugs de texture au fond, vous allez le voir, qui fait que c'est pas très lisible des fois. 3, 2, 1,
donc là on est en contre-la-montre, hein, donc on se bat contre personne, mais bon. Allez, c'est parti. Le maniement est aussi assez spécial, je sais pas comment vous expliquer ça. Et en fait, si on freine trop, la voiture va avoir tendance à tourner d'un seul coup d'un côté. Comme si la répartition de freinage était hyper mal calculée. Comme vous pouvez voir sur le graphique à droite, on a la gestion des dégâts. Qui ne sont, ma foi, pas fort réussis, hein, vous allez voir. On peut voir quand même un petit peu de dommage, mais... Bon, là, j'ai freiné trop fort. Et la voiture, elle part complètement à l'équerre. Et voilà, on est passé. Alors, on peut changer de vue aussi. Vous allez voir. On peut faire une vue un peu plus éloignée. Alors, je trouve que c'est la plus pratique, parce qu'on va vraiment les décors au bon moment. On a une vue. Une vue embarquée, là je vais cracher, super. Bon, magnifique. Bah, on va relancer, hein. Écoutez, c'est pas grave. Alors, je m'attendais pas à ça. J'ai testé le jeu avant, ça avait pas craché. Bon, c'est pas grave. Normalement, c'était censé marcher. Bon, au pire, on la mettra pas. Bon, en gros, il y a une vue intérieure aussi qui est plutôt réussie. On a une vue en caméra embarquée, façon Colimacré 1, Colimacré 2. Avec un. Comment dire. Avec le volant. Par contre, il n'y a pas les mains sur le volant. C'est assez bizarre. J'ai l'impression que le jeu est complètement bugué. C'est quoi ce truc? Bon, on va relancer. Promis, je vous avoue, la vue embarquée est bien. Il faudra me croire sur parole. On va refaire un essai, mais avec une autre voiture, tant qu'à faire. Vous avez déjà vu l'Audi. Allez, c'est pas grave. On va mettre contre ça sur l'émulation. Joueur solo, c'est pas grave. Allez, contre la montre. On va regarder les USA. On découvre un circuit en attendant. Et oui, il a gardé la dernière voiture que j'ai utilisée. On va prendre ça là, tiens, par exemple. Toyota Celica GT4. Et dès le début, je vais changer la vue, comme ça vous verrez à quoi ça ressemble. Allez, c'est parti. Je vais changer la vue maintenant. 3, 2, voilà. 1, go. Vous voyez à quoi ça ressemble. C'est vraiment plutôt bien fait, hein. Le cockpit en 3 dimensions. Et franchement, ça rend vachement bien. Alors évidemment, c'est pas facile de manier la voiture comme ça. Mais c'est vraiment le meilleur cockpit que j'ai jamais vu sur un jeu de Play 1. C'est vachement, vachement joli. Alors je vais rechanger de vue pour prendre la vue classique. Mais voilà, donc on a le choix. Et vous voyez, quand on freine un peu fort, bah, la voiture elle part complètement à l'opposé. C'est pas propre à l'Audi, hein, c'est un peu propre à toutes les voitures. Même si le maniement elle change un tout petit peu. Alors le problème de ce genre de circuit, vous l'aurez remarqué, là on est aux USA. Donc c'est des circuits qui sont ultra serrés. Comme vous pouvez voir, il y a vraiment tous les sponsors. Hein. Il y a même du Canal+, on a tout, Kuwait, Michelin évidemment. Infogrammo, bon ça d'accord, Movistar, Hyundai, enfin il y a total. Et on a même le podium au milieu. Donc le maniement, là je vous le dis, c'est particulier surtout quand on freine. Mais une fois qu'on commence à doser un petit peu l'accélération, arriver à la faire partir de l'arrière légèrement, ça devient un peu plus facile. Le seul problème, c'est vraiment les circuits qui, je trouve, ne sont pas adaptés pour ce genre de véhicule. Sincèrement, une voiture aussi puissante pour un circuit aussi triqué, ça n'a pas grand intérêt. Alors, on va retourner au menu principal. Je vais essayer de vous montrer donc le mode Race of Champions. Et on a un Xara Kit Car. Que d'ailleurs, on n'a pas vu dans le jeu, il me semble. Ou alors, on peut-être les débloquer. On va voir. Avec sa carte mémoire. Alors vraiment, je m'attendais à une interface comme Rally 1, Rally 2. D'ailleurs, quand j'ai vu ce fond d'écran, je me dis ouh, ça va être la même chose. Et en fait, bah non, ils ont quand même changé l'HUD. Le maniement est totalement différent d'un Rally en plus, donc ils ont vraiment changé leur fusil d'épaule. On va faire la course des champions. En automatique, ouais, ça c'est pas mal. Allez, c'est parti. J'ai pas l'impression que je choisis ma voiture. Hein. Tous les ans,
Plus de 25 000 spectateurs venus des Canaries, d'Espagne et d'autres pays d'Europe débarquent à Gran Canaria pour la course Michelin des champions. Le plateau réunit les meilleurs pilotes du monde, les meilleurs constructeurs et les meilleures voitures. C'est une compétition au plus haut niveau pour le trophée de la course des champions et le titre de Rallye Master. Allez, c'est parti. 75 graviers, peu de bitume, donc on va faire... Alors voilà, on a un quart de finale, donc on va être contre Didier Auriol. Après, il y a Massimo Biazion, Armin Schwarz, Stig Blomqvist, Carlos Sainz, Alistair Macré et Colin Macré. On sera à bord d'une Toyota Corolla. Mais c'est logique en fait, puisque à l'époque, les voitures, ils ne choisissaient pas. Hein, c'était vraiment des catégories. On vous force d'utiliser tel ou tel type de voiture et vous devez vous débrouiller. Ce qui fait qu'il y a des pilotes qui étaient plus avantagés s'ils avaient leur voiture à eux, qu'ils connaissaient déjà, mais qui se retrouvaient désavantagés sur d'autres voitures, ainsi de suite. Alors, on va commencer sur la file extérieure. Heureusement qu'on a déjà fait le circuit. 3, 2, 1. Une vue arrière aussi qui sert à rien d'ailleurs, mais bon. On l'a quand même. Alors, on est en mode normal, donc ne m'attendez pas à ce que je gagne. Franchement, le jeu est très dur. Pas en termes de maniement, mais en termes de d'IA. Vous allez voir, les commentaires du copilote existent. Hein. Je crois qu'il n'y en a pas. Et en fait, il y en a vraiment. Voilà, le train qui se retourne. Il y en a une petite vue caméra simple. Et vous voyez, il y a un petit peu de dégâts. Hein. C'est que la voiture s'est enfoncée. Bon, je pense qu'on peut faire recommencer directement, non? Non, bah bah. On va continuer du coup. Alors au début, quand j'ai vu le jeu, je me suis dit, bon, effectivement, c'est les cours des champions, mais ça aurait été vraiment intéressant qu'il y ait vraiment... un mode rallye classique, parce qu'avec toutes les licences qu'il y a, ça aurait été trop bien. Mais finalement, bon, ça reste vraiment dans l'optique Race of Champions. Et alors, autant j'aimais bien la Race of Champions justement à l'époque, autant j'aime beaucoup moins maintenant que c'est se retrouver dans les circuits, sur les stadiums. Je trouve ça moins intéressant. C'est vrai que les Canaries ont le record de longévité sur la tenue d'événements, puisque Saint-Denis a duré 3-4 ans. Et les autres ont vraiment changé à chaque fois. Bon, on a perdu. On s'en doutait. Hein. On a fini à 7 secondes. On va faire l'épreuve suivante, mais je pense qu'on a pas gagné. Je sens même qu'on a un game over parce qu'il me met bien accès à la carte mémoire. Alors le sauvegarde est automatique, hein, je ne le choisis pas. On ne touchera pas la carte mémoire bien entendu. Bon ben voilà, on a loupé complètement. Mais ça sera qu'une fois des scores, donc on a encore une chance. Alors, voir classement, pour voir ce que ça donne quand même. Alors le classement c'est ça? D'accord. Voir score. Ah 0, ah oui c'est pas fini. D'accord. Continue championnat. Et là donc on sera avec la Forza Score WRC. Alors si je me fie au skin, on est plutôt dans la variante 97. Hein, avec le sponsor Repsol. Bon le genre lui-même est pas trop mal, hein, vraiment, hein, c'est pas un mauvais jeu. Les graphismes sont corrects, le maniement, bon, faut s'habituer, mais ça passe. Il manque pas grand-chose. Par contre, on remarque que les graphismes sont comme sur Colin Macré 2 et 1, il me semble, qui réduisent le... comment ça s'appelle ? Ils réduisent les graphiques des voitures pour que le jeu perde pas en framerate. Waouh. Attention. Alors j'ose plus changer la vue, hein, parce que si ça crache, voilà. Alors je vais mettre du mur, ça marche pas mal. On va continuer comme ça.
Et j'ai pas pu faire de réglage aussi sur la voiture. Allez, on est au côté extérieur maintenant. Côté extérieur qui est beaucoup plus rapide. On va essayer de faire deux fois la même erreur. Je vais me concentrer un petit peu. Et on a gagné. Quel pilote ? On a droit à un quel pilote en commentaire ultra succinct. Bon, les commentaires ne servent pas à grand chose évidemment, hein, puisqu'il n'y a pas de pas d'annonce de course. Alors on peut voir le replay. On voit que le pilote à côté a complètement tapé. Donc l'IA fait aussi des erreurs, c'est plutôt sympa. On va faire start et on va faire l'épreuve suivante. Et je pense qu'on va être à nouveau avec une autre voiture. Il y a toujours la carte mémoire hein, qui ralentit un petit peu le rythme du jeu, mais bon. Pourquoi pas. Allez, sauvegarde, ok. Donc là, on a gagné. Ah, mais on perd quand même en fait. T'en es vainqueur. Ah oui, parce qu'il a gagné deux manches. Moi, j'ai gagné une manche sur deux. Ok, donc en cela, on va être à 306 F2. Et du coup, ben, c'est un round à 1, donc il va falloir gagner le troisième absolument pour passer en demi-finale. Alors, on découle les voitures au fur et à mesure, donc c'est pas évident. Oh, le mauvais départ. Allez, à 306, c'est parti. C'est facile, c'est nous qui sommes sur la partie rapide. Alors on est quand même plus lent, hein, vous en rendez compte. L'avantage, c'est qu'on peut plus facilement prendre des courbes. Alors le souci c'est que là on est vraiment plus lent que lui dans la partie la plus dans la section la plus rapide. Et finalement on s'en sort mais pas beaucoup. On a fait un sang qui est un petit peu inférieur par rapport au tour d'avant, mais on est devant lui. Donc normalement on devrait être qualifié puisqu'on a deux manches à une. Allez, on va faire l'épreuve suivante. Et je pense qu'on pourra passer aux demi-finales. Voilà, donc vainqueur, c'est bon. Alors le mieux, ça aurait été de gagner en deux manches, hein, c'était plus facile. Alors, voir classement. Mais non, c'est pas classement qu'il faut que je vois. C'est voir le score. Ah non, on est toujours à zéro, c'est normal. Allez, continue le championnat. Demi-finale, donc on va être contre Biazion. Biazion, qui était le dernier champion sur l'ancien, il me semble.
91, 92, je sais plus. Autant je m'en sors en F1, autant en rallye, j'ai un peu moins de connaissances. Allez, on commence avec la file intérieure. Bon, c'est pas le circuit le plus difficile, hein, donc ça devrait aller. 3, 2, 1, go. Allez, si on pouvait le réussir en une fois à chaque fois, en deux manches, ça serait bien. Regardez-moi cette courbe. Magnifiquement pris. Oui, franchement, normalement, on peut s'amuser à vraiment essayer de bien prendre les enchaînements. Ça commence à être ça. Oh là, je suis parti complètement là. Tout à la faute. Ah, par contre, pour rattraper ça, ça va être chaud. Ah, on n'a pas eu trop de temps, mon ami. Ah non, on est parti sur la faute. Voilà, d'un coup là. Là, c'est fichu. Bon, après, c'était vraiment la plus difficile. C'était hey, la vanille. Hein. C'est la Ford là. Ah, par contre, c'est la Ford en version. Non, j'ai de la merde. En fait, c'est la Ford en version 96. Ou 98, je sais plus. Je pense que c'est plutôt 98. Bon, là, on est vraiment trop loin. Hein. On gagnera pas. Oh, quoique. Ça reste encore possible. Bon, si je gère bien, on peut gagner. Non, ah bah non, il est vraiment trop rapide. On l'a bien rattrapé, mais c'était vraiment trop tard. Bon, mais il va falloir recommencer sur la prochaine manche. Bon, en tout cas, le jeu est vraiment sympa. Après, c'est plutôt compliqué à manier, mais une fois qu'on a l'habitude, ça commence à être plutôt intéressant. Mais je pense que c'est propre au circuit, hein. Quand on va faire les circuits plus serrés, ça va être très très compliqué. Déjà que je galère là, il faut imaginer que ça va pas être mieux après. Allez, continue championnat, on peut y arriver. Il suffit de gagner les deux dernières manches. Si on n'y arrive pas, bah écoutez, tant pis, hein. En tout cas, c'est un jeu dans lequel on parle très peu, il est sorti sur PC aussi, hein, à savoir. Sur PC, peut-être qu'il est beaucoup plus joli, même il est sûrement plus joli. Hein. Je pense qu'il a dû se faire écraser par Colin McRae 2 à l'époque, quand il est sorti, donc personne n'en a vraiment beaucoup parlé. Ouais, avec la 306, j'ai mes chances. La voiture est plutôt propre à conduire. Concentration maximale. Oh, la voiture qui manque de se retourner. C'est vrai que les SS, c'est peut-être le truc le plus intéressant, le plus stressant en rallye, mais c'est aussi peut-être le plus intéressant à regarder. Oh, c'était parfaitement maîtrisé ça, et voilà. Super. Oh, le dernier virage, je l'ai pris, mais comme un patron, quoi. Allez, c'est parti. On va essayer la troisième manche. Épreuve suivante.
L'austérité sur 20. Alors sachez qu'on aura bientôt la fibre, donc je pourrai enfin restreamer, même si ça va être toujours parfois, hein, pas tout le temps. A savoir que je ne suis plus tout seul. Donc il va falloir allier un petit peu les deux. Alors, quoi tu es champion hein. Allez, on va essayer la troisième manche. Je sais plus quelle voiture c'est, ils l'ont dit, mais j'ai pas écouté. C'est intéressant de savoir si on peut gagner, débloquer quelque chose, le fait de réussir les Canaries. Parce qu'il y a aussi un mode championnat hein, qu'on pourrait voir aussi tout à l'heure, et on peut choisir que la première catégorie, c'est la F2. Donc une fois qu'on l'a réussi, on pourra débloquer le WRC et le groupe B. Ah oui, c'est la cour, là, j'avais oublié. La cour là qui est un peu plus puissante mais qui est plus maniable que la Ford, donc ça devrait aller. Bon, faire gaffe quand on retombe d'un saut parce que si on est trop rapide, c'est fini, hein, on perd vraiment trop de temps. C'est vraiment un mix entre les deux. Hein. Difficile à conduire mais plus rapide. Je suis un peu plus long que tout à l'heure. Non, ça va pas passer. Il va gagner. Et bien voilà. On fera mieux la prochaine fois. Alors, on fera mieux la prochaine fois, je ne pense pas, vu qu'on n'est pas qualifié. Mais bon. Et bien voilà, on s'est fait avoir. J'ai fait trop d'erreurs dans la troisième manche. Malheureusement pour nous. Donc du coup, c'est game over. Hein. On va voir ce qui se passe. Mais logiquement, on ne participe pas à la finale. Et donc, on va passer à la manche suivante. Donc ce soit juste game over. On va le découvrir ensemble. Ah, c'est dommage, hein, ça s'est joué à une petite seconde. Et voilà, du coup, on a perdu. On va voir le classement. Non, je vais y arriver. On va voir les scores. Bah, zéro. C'est bizarre qu'on ait zéro parce que du coup. Comment on peut avoir un score total de zéro? Sachant qu'on a réussi. Normalement, il n'y en a que deux qui sont passés parce que c'était les demi-finales. Ouais, je comprends pas trop. Bon, c'est pas grave, on va faire quitter le championnat. Oui. Juste montrer le dernier mode de jeu, donc le joueur solo, le mode de championnat. On va prendre un. Alors vous savez qu'on a un trophée, une coupe ou un championnat. On va essayer un championnat Rally Master, mais je pense que ça va être très très long. Et comme vous pouvez voir, on a pris une Formule 2. Donc il y a quand même pas mal de contenu, même si on va tourner souvent autour des mêmes circuits. Il y a toujours une ambiance incroyable lors de la première épreuve du calendrier. La première victoire constitue un avantage psychologique pour le reste de la saison. Le circuit rapide d'Aosta, au pied des Alpes italiennes, est le cadre idéal pour une course pleine d'action et de rebondissements. Tout à fait. Bon, la musique est sympa aussi, bon, elle est très redondante, mais je trouve que ça passe bien. On va se retrouver contre Gustavo Trelles. Alors je ne connais pas ce pilote, je pense peut-être connu, mais moi je le connais pas en tout cas. Donc je sens qu'on va avoir une Lancia. Bizarrement, si il affiche une Lancia, c'est qu'on va avoir une Lancia. Alors, c'est parti. Ah bah non, pas du tout. 3, 2, 1.
Bon, on aura découvert un tracé. C'est parti. Évidemment, je suis en mode moyen, hein. Si je mettais en mode facile, je pense qu'on pourrait aller plus loin. Mais bon, je préfère garder le mode normal, comme ça vous savez à quoi vous attendre en lançant le jeu. Oh, le vent que je prends. Je pense que je suis trop... Je pense que je suis trop safe, en fait. Bon, en tout cas, comme je connais pas le circuit, ça va être compliqué. On va rattraper un petit peu quand même. Oui, ils sont assez permissifs sur les dommages. Ils sont toujours tout en vert alors qu'on a tapé 4 fois le mur. Et voilà, on a pris le mur encore. Mais peut-être que ça peut passer, hein. On va voir à la fin du circuit. Ah bah si, c'est bon en fait. On est fini largement devant. Du coup, on va passer à l'épreuve suivante. J'espère qu'il n'y aura rien de voiture à tester, ça serait bien. Parce que si c'est toujours les mêmes, ça serait un petit peu dommage. Ah, mais on a F2, donc logiquement, on aura la même chose. On va voir cette fois-ci. Ah, ce sera du buggy cette fois-ci. Du coup, ça sera plus intéressant. On va voir un petit peu le maniement du buggy s'il change par rapport aux autres. Ça pourrait être bien que ce soit totalement différent. Même si je pense que c'est encore un circuit qui n'est pas adapté. Autant le buggy peut être adapté sur les petits circuits, autant sur les circuits longs comme ça. Ça risque de pas trop le faire. Là où j'ai peur que le jeu soit limité, c'est vraiment au niveau du choix des circuits. Et le fait qu'on puisse pas faire des spéciales classiques aussi, c'est un petit peu dommage, mais bon. 3, 2, 1, go. C'est parti. Parce que franchement, au niveau de la technique pure, on est pas mal, hein. Bon, sauf les dégâts, bien entendu. Mais... Alors, je viens de changer la vue, mais j'ai peur que ça plante. Non, ça va. Oh, regardez, non, on est dans le buggy. Oh là, je fais n'importe quoi, on voit rien du tout. Ah, c'est vraiment pas évident, vu qu'on est embarqué. On va se mettre en vue plus rapprochée déjà, ça sera pas mal. On s'envole presque avec le véhicule aussi. Le problème c'est qu'on est déjà à la rue alors qu'on on était sur la partie la plus rapide du circuit. Et quand on touche le mur, on est complètement attiré par lui. Bon, allez, ça peut le faire. Il faut vraiment qu'on se coupe pas. On gère bien le dérapage, voilà, comme ça. Nickel. Ouais, ça passe, on l'a mieux pris. Non! Et voilà, on aurait dû gagner, mais on ne gagnera pas parce que je me suis loupé dans le dernier virage. Bon, eh ben écoutez, tant pis. Du coup, il aura le droit à la troisième manche. On va faire la troisième manche, puis on s'arrêtera là. Ah oui, le mur là, ça m'a complètement massacré la course. Alors que j'étais en tête, hein. J'ai fait un bon deuxième tour. Allez, c'est pas grave, on va faire l'épreuve suivante. Donc le jeu pour résumer, bah écoutez, pas mal, hein, enfin en tout cas je trouve, voilà, bon, plutôt vieilli quand même. Si vous aimez les Race of Champions, bah écoutez, pourquoi pas, hein.
C'est un jeu plutôt correct. On va faire le dernier. Oh, en plus, on va tester le RAV4. Allez, c'est parti. On va finir sur une bonne touche. Même si j'aurais préféré finir sur une groupe B, mais bon, vu que c'est DF2, c'est logique. Donc voilà, ça a l'air, il a l'air assez complet dans son thème. Et surtout pas mal de licences, ça c'est vraiment le petit plus. Et chaque voiture est différente à contrôler aussi. Allez, c'est parti pour la petite dernière. Avec un petit RAV4. Allez, c'est parti. Est-ce que le RAV4 tourne bien? Logiquement, c'est totalement débile de faire mettre un RAV4 en rallye, mais bon. Pas dans le sens où c'est un 4x4, et du coup, le centre de gravité tombe beaucoup plus haut. La probabilité pour que le truc tombe, enfin, parte en tonneau, est assez énorme. Mais pourquoi pas? Si ça se trouve, il a déjà existé, ce RAV4 en rallye. Je compte sur toi, Goodstone, pour nous faire un article de 20 pages sur le RAV4 en Race of Champions. Ça serait intéressant. Sorti sur le premier tour en tout cas. Ouais, ça passe, nickel. Au freinage, on est bon. Bon, il est plus facile à manier, hein, comme il est beaucoup plus lent. Oula, on est parti un peu dans l'herbe. Oh, regardez-moi ce bug. Alors ça, si c'est pas du bug, par contre, le bug de collision, là, je sais pas ce que j'ai touché. Quand on lui a mis un avant. Et voilà. Super. Super. Tout simplement. Super. Allez, donc, épreuve suivante. On va pas la faire. Hein. Ah, j'aurais dû lui laisser le ralenti. Bon, écoutez, c'est pas grave. On va juste voir contre qui on aurait roulé. Je pense qu'il n'y a pas besoin d'en dire plus, hein. Peut-être qu'il y a des voitures à débloquer, mais pour ça il faut gagner tout. Voilà, donc jeu sympa, sans plus, bon petit jeu, qui aurait mérité d'avoir une place un peu plus grande dans la bibliothèque des gens. Alors pour continuer le championnat, on va pas le faire, on peut voir le score classement. On va s'arrêter là-dessus, écoutez, je vous dis à la prochaine pour notre vidéo. J'espère que ça vous aura plu, n'hésitez pas à laisser des commentaires comme d'habitude. Et oui, ciao tout le monde.